Dans ce colis, l'avenir d'Adrien et de son cousin Clément. Les deux jeunes hommes viennent de créer leur petite entreprise installée dans la maison familiale. On a reçu les protos. Et voici son produit, tout juste livré par l'atelier. La texture est bien. En plus, j'aime bien l'effet du bois, ça donne un plus. Originalité de ces polos, leur fabrication est à 100% en matière recyclée. Pour faire déjà notre fil, on a besoin de vêtements que vous jetez par exemple dans le relais et de bouteilles plastiques qui sont jetées dans les poubelles jaunes, qui sont ensuite envoyées donc, dans notre usine en Espagne. En Espagne, cotons et plastiques sont transformés en fil, un recyclage sans pesticides et qui donne un tissu consommant 50 fois moins d'eau qu'un traditionnel. L'idée d'en faire un polo, Adrien l'a puisé dans son master ingénierie écologique. Puis il a trouvé des partenaires, en Espagne donc, mais aussi à L'Entrillac près de Lyon pour tricoter le fil, puis à Troyes pour la confection. Nous, notre produit, il n'aura pas fait deux fois le tour de la terre avant de revenir à la maison, quoi. C'est fait en France, c'est fait en Espagne, ça reste, on va dire, européen. Adrien et Clément financent l'opération avec une plateforme participative. Ils ont lancé une souscription pour produire les 100 premiers polos vendus 60 euros pièce. Ça nous permet d'avoir les fonds suffisants à la création de l'entreprise et également de ne pas surproduire, puisque aussi le but ce n'est pas de surproduire et de proposer plein de produits et à la fin d'avoir un stock qu'on ne vend pas et de pouvoir proposer donc un produit qui est 100% recyclé, made in France. Si le polo marche, toute une gamme respectueuse de l'environnement suivra. Une goutte d'eau propre dans une industrie, la mode, considérée comme la plus polluante au monde, juste après le pétrole.